إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الحمد لله continue avec nos leçons parole de Ben Salaf rahimahumullah. Alors là il arrive avec parole, il termine avec cette parole de Aïcha. Alors il vient avec certaines paroles de Abu Huraira radiyallahu anhu. Abu Huraira, il est venu en année 59 Hijri. Dans l'année 59 Hijri, Abu Huraira, c'est Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman ibn Sakhr. Alors, comment tu dis, en avant Sahaba, vous êtes connu, Abu Bakr, Abu Musa al-Ash'ari, Abu Huraira et les ban Sahaba. Alors, Abu Huraira, radiyallahu anhu, لي صحابي كما نكون يعني في الرابور في المحاديث دي برسول الله صلى الله عليه وسلم وان دعاء سبيشال كلي بوفيت صلى الله عليه وسلم تفيا قولي كلي كاباب ميموريزي الو لي فين كاباب ميموريزي دونك كونتينيي نو كومونس افيك سيتين بارول دي ابو هريره رضي الله عنه فامي تمام بارول لي ديا ما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احد اكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله ابن إنه يكتب ولا أكتب. ديجا بين أحسن بين من كومبانيون دي بروفيت صلى الله عليه وسلم كي سو حديث كي لين رابوتي ديبي لو بروفيت لي بليس كي سي كي مو من رابوتي بين أحسن بين من كومبانيون دي بروفيت كي نرابوت بلي بوكو حديث كي نابلي بوكو حديث شيلي كي مو لي جي اكسبتي عبد الله ابن عمرو اكسبتي عبد الله ابن عمرو لي جي فانه كان يكتب ولا اكتب لي ليش بيكريا تانديس كي موا مو باتش بيكريا تانديس كي موا مو باتش بيكريا الو سا بارول لا فريمون لي مونتري نو بان صحابه رضي الله عنهم زوج في ميموريز بارول لي بروفيت صلى الله عليه وسلم. Donc, on nous connaît dans l'islam, mais il y a ce qu'on appelle mémorisation du Coran, c'est un grand ibadat. Mais, pas si ça, ben savant, je fais mémorise le Coran, je fais mémorise sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même parole de ban salaf et les autres ban qui sont en cours. Alors, il est important qu'un musulman les mémorise hadith rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons un livret qui peut écrire un petit hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous capables commence par ça, un hadith en la ligne. Alors, par jour, nous capables apprendre un hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un petit hadith qui est facile. Man baddala dinahu faqtulu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Alors, comme ça, khayrukum. لأهله وأنا خيركم لأهلي خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ألكم سائنا من بان بتي بتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كنو كباب ميموريزي إسا لأن بون كيت سوز لأن بون كيت سوز إسا بقول يا أبو هريرة رضي الله عنه لبون كي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سبان كيت سوز كي كوماجيا بان صحابة une pense un coup comme ça et les prophètes indiassa non je peux mémoriser hadith rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors comment fin déjà explique là dans les leçons contre l'islam dans le chapitre argument certains ben kafirs ont attaqué l'islam là c'est hadith rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas capable en l'autorité. Alors, il y a plusieurs réponses parmi ces hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas comme dire un kit chose qui un sahabi insiste rappelle comme ça et il peut rapporter le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est une parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire, un sahaba fin mémoriser. Alors, c'est mémorisation. Le prophète
sallallahu alayhi wa sallam qui ban sahaba se fina rapporté. Et la petite chose dans sa parole, la parole d'Abu Huraira, radiallahu anhu, c'est nous trouve ce qu'on appelle compétition dans le bien. Compétition dans le bien. Alors, et ça, il est vraiment important, surtout pour Banjan. Quand nous Banjan, vous sentez, vous êtes une compétition entre eux, pour terminer le Coran, pour apprendre hadith, pour apprendre ban adkar, pour faire ça. Donc, une compétition, il y a une motivation. Quand une compétition, ça les motive, ban enfants. Alors, Abu Huraira, radiallahu anhu, il y a bien une personne qui t'y plie, mémorise hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui moi. Alors, comme si Abu Huraira, radiallahu anhu, il y a quand même un lune à pouli. Un lune à pouli, alhamdulillah, une favier qu'elle l'a fait le moi. C'était moi-même qui t'y plie, mémorise hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce qu'a, je veux dire, nos bonnes enfants, c'est une compétition. Je te sens que tu es une compétition dans le bien. Je te sens que tu as quelque chose pour faire. Quand je te sens que tu as quelque chose pour faire pour l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça les protège pour que moi, elle perde les temps dans quelque chose inutile ou bien elle perde les temps dans quelque chose qui est haram. Alors, les bons, surtout par exemple, dans le moment de confinement, chacun dans la case, les faire, les cas organisent une compétition. Dans sa façon là, alors nous motive nos bonnes enfants. Abu Huraira veut dire, ben la personne qui t'explique un hadith Rasulullah, qui t'explique mémorise hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui moi, ben la personne excepté Abdullah ibn Amr. Alors, il y a vertu d'Abu Huraira de cette parole là, et il y a aussi vertu d'Abdullah ibn Amr. Et l'autre petite chose importante dans sa parole d'Abu Huraira là, c'est toujours une réputation qu'on ban coranion, qu'on ban kafir qui vient pour faire un musulman gai doute dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, dans sa parole d'Abu Huraira là, nous trouvons il dit Abdullah ibn Amr, tu peux écrire ou pas tu peux écrire. Il dit dans l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, depuis l'époque le prophète même, c'est déjà il y a ce qu'il appelle mettre hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en écrit. Comment un Qurani yon et le Zuban, de dire hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est après 250 bananes qui, comme on dit, existe. Vraiment, on a déjà dit, hadith du prophète, c'est pas quelque chose qui fin écrit, appelle ça hadith. Hadith du prophète, c'est ce qu'il dit. Et c'est qu'il est prononcé. C'est que le prophète est prononcé. C'est pas des 150 bananes après qui savent une vie, en existence. Le prophète, quand il est vivant, sous une parole, il est là, sous une explication, il est là. Et ça finit d'être mémorisé. Ça finit d'être, propagé. Ben, ça va finir de comprendre, finir mettant en pratique. Ça finit de propager. Et c'est que je voulais dire, certaines, soi-disant, c'est bien après qu'il va nous mettre le prophète sur hadith en écrit. Ça aussi, les fausses. Ça aussi, les fausses. Par exemple, sa parole d'Abu Huraira là, et il y a Abdullah ibn Amr, un peu un sahaba, et il peut écrire hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il peut écrire hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans l'époque du prophète. Alors, tout ban qui dit hadith, c'est pas tant d'années après le prophète qui s'est mis en écrit, nous disons les fausses. Ça, les fausses, dans l'époque où le prophète sallallahu alayhi wa sallam même, bah, il y a certainement un sahaba qui peut écrire hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et comme nous disons, écrire, c'est une petite chose plus, mais même si pas une personne qui t'écrit, tu as certain sahaba qui peut mémoriser les. Je ne propose pas. Alors, ça aussi, c'est une chose qui est là. Il y a l'autorité, il y en a. Pourquoi? Parce que ce n'est pas bonne. Bonne parole qui, du monde, pense penser comme ça. Et je finis raconte. Ça, c'est une première parole de
عبد الله أبو هريرة رضي الله عنه. عندما جن باخد يا أبو هريرة رضي الله عنه سي يا ما يديك ما كوني بابا سي تو باخد يا أبو بكر تو باخد يا علي تو باخد يا عائشة تو باخد يا أبو هريرة نبي سي عندي وكان لي دي الإسلام دي بان صحابة كما بان صحابة فين كومبون الإسلام كما نو كاباب بروفيتي دي زوت دي زوت كونيسونس. عندي جن باخد يا أبو هريرة رضي الله عنه جيان لأن أصلي بالحرة أحب إلي من أتخطى رقاب الناس يوم الجمعة. يجي سي والفي صلاة أحرة سا بليشي أما كي مسد زبول بان جمون لجو دي جمعة لجو دي جمعة. ألو بس أقول لك je trouve Abu Huraira radiallahu anhu fait cause concernant quelque chose qui est empêché dans l'islam, les prophètes finissent empêchent ça. Et nous trouve comment les comment sa, sa sahabi là, Abu Huraira, peut montrer qui quelque chose que les prophètes finissent empêchent, nous besoin respecter lui. Nous besoin respecter lui, veut dire à quel point Abu Huraira radiallahu anhu trouve les graves et quelque chose que les prophètes finissent empêchent. Pas comment je dis. Combien qu'il sort des prophètes sallallahu alayhi wa sallam qui n'ont péché, et il y a beaucoup qui vous disent correct ça, correct ça. Ça, ce n'était pas qualité des man sahaba, comme les connus, Anas radiallahu anhu, il dit je peux faire un erreur et un péché, qui je peux trouver ça simple. Nous, dans l'époque, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, je peux trouver ça comme une montagne. Je peux trouver ça comme une montagne. Donc, pli Benjamin finino éloigné depuis l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pli sa négligence là fin augmenté point Benjamin vis-à-vis ben haram quelque chose qui le prophète fin empêché correct ça le prophète fin empêché quoi dire il pas grave c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin empêché et en vérité le vrai c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin empêché et là quelque chose qui haram et là quelque chose qui les déconseillés les macros. Mais même ça, une fois que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam finissent en paix, ça, quelque chose que les prophètes finissent déconseillés, c'est pas le nez pour un musulman pour qu'il aille faire quelque chose que les prophètes finissent en paix. Le lien pour autant, qu'il nous apprenne, quelque chose que les prophètes finissent en paix, une contradiction, l'enseignement des prophètes sallallahu alayhi wa sallam dans nous la vie. Comment il a dit, il peut faire les contraires. Les prophètes finissent ça, il peut faire les contraires. Les prophètes finissent ça, il peut faire les contraires. Alors, ça, c'est, il n'est pas une petite chose qui est correcte, il n'est pas une petite chose qui est correcte, même s'il n'est pas un péché, même si ça, quelque chose-là, il n'est pas haram, les ismes crou, il n'est pas joli, il n'est pas correct, parce qu'il, indique un manque de l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que si vraiment nous comptons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous faisons effort pour qu'il nous imite lui dans toutes ses affaires, sa haine, et déjà, quand nous pouvons faire une petite chose qui est macrou, même qu'il ne va pas gagner un péché, mais il ne peut pas dire récompense. Il ne peut pas dire récompense. Par exemple, un démon, les parents d'un masjid, les babés cassent la tête, les parents avec les pieds droits, ou bien avec les pieds gauches. Les babés prennent compte, les parents avec les pieds droits, ou bien les parents avec les pieds gauches. Alors, les vrais, c'est les parents d'un masjid avec les pieds gauches. Les babés peuvent dire, les babés gagnent un péché, mais ils peuvent dire tawab. Les babés dire tawab. Il ne faudrait pas un musulman, les tawab, au contraire, tout l'occasion qu'il est capable de gagner pour qu'il gagne tawab, pour qu'il acquérir tawab, les bizarres, pas rater, parce que les jours du Qiyama nous connaît, Pouena, ce qu'on appelle mettre bonne action, le balance, chaque bonne action, il faut contribuer pour faire au balance, pour faire nos balances, pèse lourd, et chaque péché, chaque erreur, il peut contribuer pour faire nous balance, mauvaise action pèse plus lourd. Donc, on n'est pas, nous rate ban l'occasion qui nous peut gagner. Ramadan peut venir. Alhamdulillah, c'est un occasion pour qu'il nous augmente et nous continuer dans sa même traîne-là, nous continuer dans sa même, façon-là. Alors, Abu Huraira, radiallahu anhu, qu'on se concerne, hein? Un empêchement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, hein? Quand, un dimon, il peut venir, Jumu'a, il vient bonnet, il
Divine bonéa. Et si un musulman que les bévins Jumma, les bévins bonéa, et ça quand nous connaît la grande récompense là-dedans, si toutefois les pannes reçivent une bonéa, les bévini, les banjimon, déjà dans masjid, le prophète dit pas sous les épaules du monde pour aller par devant. Pas sous les épaules du monde pour aller devant. Si tu en viens, bin, al par devant, ou tu viens, bin, bin bonnet, ou al par devant. Alors, si un du monde, l'in, bin en retard, y assise, côte, sauf, pété à miner. Y assise, côte, sauf, pété à miner. Alors, il faudrait pas les sous les épaules du ban du monde. Mais, ça, c'est un enseignement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira radiallahu anhu dit, si vous faites salat à Harra, à une distance avec Masjid Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, puis tout ça, il faut dire, vous rentrez moi dans le premier saf. Vous rentrez, vous sautez ses poils, Benjamin, moi dans le premier saf. Alors, vous êtes un l'empêchement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment Abu Huraira radiallahu anhu peut montrer qu'il y a une chose que le prophète vient empêcher, il est grave, alors ne pouvez pas nous désobéir à le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si un djimoun rentre dans le masjid et dit un djimoun il colle avec quatre points mirail, il peut rentrer, il peut capable aller jusqu'à pas devant, il n'y a pas devant, il n'y a pas sur les épaules personne, mais ce qui peut empêcher, c'est comme dit un djimoun, c'est un djimoun les saute Zepol, Benjamin, Pouyalpa, Pouyalpa, Pouyalpa. Une autre parole, Abu Huraira, radiallahu an, dit Abkhalu nasi, alladhi yabkhalu bis-salam. Le plus avare parmi Benjamin, c'est celui qui avare avec salam. Alors, ça aussi, c'est un point, ben. L'enseignement, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le hadith, avec sa signification-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vient dire, celui qui est avare, c'est celui qui est avare concernant salam. En vérité, le dîn, c'est un joli dîn. Nos salutations, c'est un joli salutation. Assalamu alaykum. L'appel au, l'ozut. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Et un joli parole. Et l'ipalou, l'un atawab a gagné. Il ne faudrait pas nous perdre tawab. Il ne faudrait pas nous perdre tawab. Et ça, basis le chemin qui nous fait salam. Basis quand nous avons un étranger qui nous fait salam. Basis quand on nous avons une place, comment dire, officielle, un grand djimoun qui nous fait salam. Partout, un musulman, il fait salam. Comme nous connaissons le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. Je ne vais pas prendre la jannah jusqu'à ce que je tenais iman, je ne vais pas prendre la iman jusqu'à ce que je tenais mahabbat en alut. Le prophète dit Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahababtum. Est-ce qu'ils ne vont pas enseigner à quelque chose qui, si je fais ça, je prends la mahabbat entre eux autres. Le prophète dit Afshu salam abaynakum. Fan salam parmi eux autres. Fan salam parmi eux autres veut dire. Quand nous étions, quand un djimoun, par exemple, il y en a un, et un frère chinois avec lui, quand il y a les pays, ça, alors comme ça, un musulman, on va dire, il reste fan salam, quand il était, les fan salam, comme les gens, un djimoun, quand on connaît le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, pour le mal, un beauté de l'islam, c'est te faire salam, à la man arab, te faire salam, te faire salam, celui qui te connaît, te pas connaît, paye salam. Donc, on lit, devant qu'on lit, fait lit, salam. Donc, un musulman, quand il était, il fait salam sur madame dans la case, combien de fois par jour? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, dix fois, vingt fois. À chaque fois qu'il il tape avec sur madame, il dit, sorti dans la salle, on dans la salle, sorti dans la cuisine, on dans le salon, sorti dans le salon, à la, c'est pas, la salle dormi. Alors, à chaque fois, qui, jeune madame, jeune enfant, jeune maman, jeune enfant, jeune papa, alors, dans la case, même, grand matin, ce qu'à tantôt, il y a, reste, il y a salam, dans la case, qui, depuis grand matin, ce qu'à tantôt, reste, il y a salam,
qui veut dire ça? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. L'appelle-toi, l'appelle-toi. Chacun peut dire l'appel à son camarade et Inch'Allah, Allah t'a accepté nos doigts, nos salams qui nous peuvent faire un à l'autre. Allah gore nous, nous vivons en paix dans nous la case. Allah gore nous, nous vivons en paix dans, dans la case. Et nous comptons très bien combien de gens, place qu'ils ont plié à y ces autres la case. La confinement, a beaucoup de gens qui peuvent bien rester et dans peuvent bien rester là. Combien? Problème aussi, il y a des gens qui peuvent gagner, monsieur, madame, enfants, maman, papa. Mais il y a des gens, alhamdoulilah, ce confinement-là, il te consolide des relations, monsieur, madame, maman, enfants, papa. Alors, il y a d'autres qui sont la case, quand tout peut vivre bien, chacun a l'attachement avec son camarade, c'est dans la case que tout peut vivre bien, nous sommes contents. Contrairement à la case, quand ça ne l'a pas causé, l'autre là, l'autre n'a pas causé, ça ne l'a pas la guerre, l'autre là, l'autre la guerre, ça ne l'a pas. Alors, ça n'est pas un seul la case pour vivre là-dedans. Alors, une bonne façon, nous ne capable pas gagner. Bénédiction d'Allah, donne-nous la case, donne-nous la vie, n'importe quoi ça nous était, faire assalamu alaikum wa rahmatullah. Sa salutation, il y a un doa dans lui-même, l'appel aux autres, et le frère d'Allah, alaikum assalamu wa rahmatullah wa barakatuh. Chacun peut faire doa pour son camarade, chacun peut faire doa pour son camarade pour qu'il nous vive en paix, Allah protège nous, qu'on va en difficulté, assalamu alaikum, veut dire Allah ta'ala, les protège nous, pour tout le monde qui sont qui, qui est capable d'amener à pour nous, dites-toi, la protège nous contre corona, la protège nous contre maladie, la protège nous contre difficulté. Assalamu alaikum, même façon, il englobe tout. Alors, les bons, qu'un musulman, les fait assalam en quantité. Assalam en quantité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne ça. Et ça, il commence à porter dans la case. Il commence à porter dans la case. Et un peu, quelque chose qui est capable de tuer ça, c'est faire assalam dans vente. Faire salam dans vente. Alors, quand vous faites salam dans vente, pas n'entendez. Alors, c'est comment dire, un salam qui peine un goût là-dedans. C'est ça qui est des salam là qui, on va dire, après une semaine, des semaines, des mois, les poils mots. Mais quand vous faites salam faux et ouvert ou la bouche, exprime ou salam, le ou figure, le ou la joue, le ou, on va dire, oui, ou physionomie. Un gros salam, un joli salam à chaque fois. Alors, ça, Inch'Allah, les poéna, l'effet, dans, loin de Jimoun même, un Jimoun qui compte en faire salam, qui fait salam, pas quoi un salam, quoi dire, dans vente, un salam qui, pas tendé, c'est mal Jimoun fait salam, un salam qui fait, mais Jimoun pas tendé. Alors, c'est pas un salam qui, l'islam, fin enseigne nous, dans sa façon là. Alors, ça c'est les paroles de Abu Huraira radiyallahu an. Inch'Allah, demain on continue. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.